Journal d'expérimentation 369-248/B. Système de transgression d'interface universelle d'iBot Duraframe. Présidence assurée par le Dr Whitley. Le gain a été accru et le tampon de dépassement de pile agrandi. Ceci devrait assurer une connectivité et un contrôle à 100%. Eddie, quand tu veux. Oui, ça marche. Succès complet pour 369-248/B. Eddie a pu s'interfacer et prendre le contrôle du panneau de test en moins de 3 secondes. Un excellent travail de la part de toute l'équipe. Il est temps de se mettre à la proposition de présentation au public.
Docteur Grant ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ah, Whitley, vous voilà. Désordre du colonel Autumn. Il trouve que le projet iBot Duraframe n'avance pas assez vite. Je dois... Vous n'avez même pas désactivé ces protocoles d'évitement des dégâts. Vous lui faites mal ! Ne soyez pas ridicule. Ce n'est qu'une machine. Regardez, j'ai déjà augmenté l'efficacité du système de navigation de 65%. Fichez-moi le camp d'ici ! Très bien, Whitley. C'est votre labo, après tout. Du moins, jusqu'à ce que je parle de ça au colonel Autumn.
avez pris des risques en venant ici. Comme en apportant son tribut au seigneur de Vegas, en vous agenouillant face aux fantômes de l'ancien monde. Vous faites bien la paire, ce jeton, et vous. 29 pièces de moins que certains autres traîtres, si on en croit l'histoire. Maintenant, découvrez la route pavée par l'ancien monde et ce que promettent les lumières de New Vegas, si vos yeux sont encore capables de voir. Le robot avec vous. Ce sont tous des machines, des radios, des technologies de l'ancien monde modifiées, des historiens, des courriers. Je les ai vus s'occuper d'autres machines en parcourant la ligne de partage. Celle du silo de Hopeville. C'est le signe que l'Amérique se réveille. Il vous suivra, vous obéira. Conservez-le jusqu'à ce que nous soyons face à face. Ensuite, on n'aura plus besoin de lui pour se parler. Je suis un courrier. Le courrier 6. J'étais le courrier 6. Comme vous, mais différent de vous, pour les points qui comptent. J'ai passé trop d'années à vous chercher. J'ai fini par vous laisser venir à moi. J'ai cru que transporter ce jeton vous tuerait, mais non. Malgré les tempêtes, les balles, le sable, vous êtes toujours là, pour l'instant. Les mots ne sont pas le seul moyen de se rencontrer pour des courriers. Parfois, ce sont les chemins, mais non, on ne s'est jamais vu. Vous ne connaissez peut-être pas ma voix, mais on a visité les mêmes lieux. La longue 15 jusqu'à Prime n'est pas la seule route que vous avez suivie. Je suis allé chez vous, là où vous retournez toujours. Peut-être pas votre lieu de naissance, mais celui auquel vous avez donné vie. C'est pareil. Les gens oublient que les courriers peuvent maintenir en vie des localités. Jusqu'au jour où ils disparaissent et les laissent la gorge serrée. Ce n'est pas le nom qu'on m'a donné à la naissance. Mais il en est assez proche. Je l'ai tiré de l'histoire. Je l'ai trouvé dans un livre. C'est un nom de l'ancien monde. Ulysse a vécu il y a très longtemps, bien avant que l'ancien monde ne s'embrase. Il a imprimé sa marque sans être un mythe. Il a dû se battre à une époque où le monde connaissait deux drapeaux et a dû les réunir. La guerre, appelons ça comme ça, le rôle que nous y jouons. Ulysse n'était pas fait pour le drapeau qu'il défendait. Il n'était pas fait pour la paix. C'est ça, la leçon. Quand on suit un symbole jusqu'au bout, il faut se demander ce que ça signifie. Et surtout, se demander ce qui se passera après la fin. Ça a trait à l'histoire, oui. Ulysse a eu un chemin difficile. Il était général, comme César et Oliver. Il était têtu comme une bramine, ce qui le rendait dangereux au combat.
Il a mené son camp à la victoire et réuni les deux drapeaux. C'est alors qu'il a perdu. Après la fin des combats, la maladie frappa. Il y a une leçon à tirer de ça, si on peut croire l'histoire. Vous devriez en tenir compte. Très bien, courrier. Si le pourquoi des choses a de l'importance à vos yeux, la mort nous poursuit tous. Tout est question de distance. Vous lui avez échappé, pour un temps. On peut dire que vous avez du talent pour ça. Le poids de ce jeton, ce fardeau, a permis à la mort d'aller un peu plus vite, sans que j'aie à appuyer sur la détente. Des promesses à tenir envers d'autres. Et le Morave ne manque pas de danger. J'ai laissé la nature s'en occuper. Elle a ses méthodes. Si j'avais voulu votre mort, nous nous serions rencontrés plus tôt. Je ne suis pas certain que ça doive finir comme ça. Peut-être que l'histoire a son mot à dire. Sinon, les messages s'en chargeront. La ligne de partage. Cet endroit en est une partie. Vieille, militaire. On peut encore sentir l'orgueil et la peur. L'espoir de l'ancien monde entouré de clôtures, recouvert par la tempête. De nouveaux habitants ont rejoint les fantômes, de récentes recrues. L'Amérique dort sur la ligne de partage. Des géants sous terre. Vous en avez vu un enfermé dans le silo en dessous. Il y en a d'autres. Il en suffit de quelques-uns enfermés dans le sol pour ravager la terre et envoyer de la poussière, du sable, des cendres dans le ciel. Vous en verrez bientôt l'étendue sur des kilomètres. Il faut que vous voyez ça, que vous parcouriez ça. Pour l'instant, on surveille les rues en dessous. La ligne de partage recèle des menaces autres que les tempêtes et le vent, de nouveaux habitants. Ces nouveaux habitants ne sont pas d'ici, pour la plupart. Ils sont venus par devoir, prêts à s'entretuer. La ligne de partage a été plus forte. Elle leur a laissé des marques. Ils n'appartiennent plus à l'ours ni au taureau. Les radiations les ont rendus égaux aux yeux de l'histoire. Aussi brutaux que les tempêtes, ces sombres de la Légion, de la RNC, sont les silhouettes de ce qui va venir. Si vous avez vu leurs cadavres, vous avez vu la miséricorde. Ils ont eu ce qu'ils méritaient en venant sur la ligne de partage. L'ours et le taureau, la RNC et la Légion sont venus par vagues et revenus, droit dans les feux invisibles. Le vent, le sol s'effondreront sous eux. S'ils obéissaient autrefois à des drapeaux différents, ils sont maintenant unis dans leur haine des intrus, vous et moi.
que les feux les brûlaient de l'intérieur. Les vents de la ligne de partage leur ont arraché la peau, les exposant, hurlant, au ciel. Et tout comme la ligne de partage les déchire, ils se déchirent entre eux. Comme des scarifications tribales, ils remontent peut-être leur histoire. Quelle que soit leur souffrance, les radiations, le feu de la ligne de partage les nourrit, les renforce. Il y a du vrai dans ce que vous dites. D'après leur tactique, ils récupèrent. Sinon, ils ne pourraient pas vivre avec ces blessures. Les vents de la ligne de partage ont arraché la peau de beaucoup d'entre eux. Peut-être que seules les radiations les maintiennent debout. Ils campent près des silos, des charges. Impossible de se débarrasser des radiations. Ils sont plus durs à tuer là-bas. Il faut les en éloigner. L'Amérique dort devant vous. Ses cauchemars remplis de tremblements de terre et de tempêtes. Vous allez devoir trouver votre chemin. Ce qui signifie réveiller les lances de l'Amérique. Il y a des moyens. Des charges ont provoqué l'effondrement. D'autres peuvent rouvrir les portes. Vous avez du talent. Ce robot, avec vous, il peut vous aider à trouver les charges à détruire et le moyen de les déclencher, le détonateur. Le chemin à suivre est en dessous. Les outils sont là. Le reste dépend de vous. La ligne de partage vous enverra ce qu'elle a de pire. Ça risque de vous briser. On verra si vous tenez le coup. La route devient difficile à partir d'ici, courrier. J'ai laissé des traces. Les couleurs vous indiqueront le chemin, si vous avez de la cervelle. Elles vous mèneront chez vous une nouvelle fois, vers la fin. Elles vous rappelleront peut-être pourquoi vous errez.